Et yo tout le monde, c'est Touli, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale parce que c'est la dernière vidéo de 2016. Donc j'ai voulu en faire une. Au départ je voulais pas en faire parce que j'ai pas été sur YouTube en 2016 à part au mois d'août quand je suis arrivé. Donc je trouve ça un petit peu débile de faire un récap de ma vidéo de 2016, sachant que j'en ai fait pas beaucoup. Mais j'ai une petite idée où en fait j'avais envie de vous parler. Donc c'est pour ça que je fais cette vidéo là, parce que j'avais envie tout simplement de vous parler, parce que ça me manque là depuis 2 semaines de pas faire de vidéo. Donc voilà. Je ne fais pas de vidéo depuis 2 semaines parce que je suis en vacances chez mes grands-parents et je n'ai pas ma moto. Je n'ai pas réussi à trouver une moto à tester ou autre, donc je peux pas faire de vidéo, donc je suis désolé. 2016 a été une année importante pour moi, dans le sens où j'ai eu le bac, le permis, ma moto, enfin ça a été vraiment hyper intense. Et j'ai eu également mon lancement sur YouTube. Ça a été court mais ça a été intense, dans le sens où ça fait que 5 mois que je suis sur YouTube et j'ai déjà 2200 abonnés. Pour moi c'est juste incroyable parce que aussi vite, je m'y attendais vraiment pas par contre. Et vraiment je remercie tout le monde, notamment mon motard de rue qui m'a bien aidé. Grâce à YouTube et grâce à vous, j'ai pu faire des rencontres vraiment géniales, comme Ça me suffit, etc. Et il faut savoir qu'en 2016 je regardais déjà des vidéos sur YouTube depuis même très très longtemps et que j'imaginais vraiment pas être youtubeur. Je voulais même pas créer de chaîne YouTube au départ. J'avais ça dans la tête mais je m'étais dit que c'était mort. Et c'est vraiment des potes à moi, notamment un pote à moi Dimitri aussi, qui m'a dit, je te remercie déjà, qui m'a dit essaye, tu verras bien où ça te mènera. Et au final j'ai essayé, je me suis entraîné à monter pendant tout le mois de juillet. Et au mois d'août je me suis lancé et me voilà là aujourd'hui. J'ai vécu 5 mois de délire parce que c'est vraiment drôle, de fun. Parfois quand on n'est pas super bien, voir vos commentaires ça rebooste. On arrive en fin d'année, donc Noël. Pour ma part j'ai eu un docteur Maboul, j'ai une famille assez drôle, tu vois, médecine, docteur Maboul, tout ça. Et j'ai eu de l'argent pour un petit truc qui pourrait peut-être vous faire plaisir. Et le truc c'est qu'avec ce petit truc là je pourrais normalement faire des montages de meilleure qualité et ça pourrait vraiment être mieux que du plus. A vous maintenant, dites moi en commentaire ce que vous avez eu pour Noël. J'ai vraiment hâte de voir ce que vous avez pu avoir. C'est pas du tout pour comparer ou autre, c'est vraiment juste pour savoir. Ça peut vraiment être drôle justement de parler de ça et de voir ce que vous avez eu. En tout cas je vous dis bonne fête de fin d'année. Là il reste que le nouvel an parce que je fais ça après Noël. Prenez soin de vous en famille, éclatez vous, faites attention sur les routes. Si vous avez bu ne buvez pas. Si vous avez bu ne conduisez pas. Moi je vous dis prenez soin de vous, bisous partout et à l'année prochaine. La bonne blague de beauf, putain.